Et salut à tous, c'est Alex Petit Gaming et on se retrouve sur Hardcore 7 Earth pour l'épisode 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben on va tamer le scorpion, voilà ce que j'ai prévu de faire. Alors comme vous pouvez voir, j'ai un peu fait leur cam parce qu'il y a deux caisses. Et dans ces caisses, et ben tout simplement, il y a plein de ressources, voilà. Donc comme ça, ça m'évitera d'aller farmer en pleine vidéo, ce qui peut-être vous agace, voilà. Alors, j'ai aussi débloqué en hors caméra les bolas, mais ça on verra tout à l'heure, voilà. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va donner le nom du gerbe... Non, je vais pas ramasser. Le nom du gerbois. Donc son nom, ça sera... Attendez, je vous spoil pas. Voilà, voilà, le gerbois s'appellera survivant, voilà, un abonné a proposé ce nom. Donc, pourquoi pas, on accepte. Ok, c'est pas le blème, c'est bon. Et, j'ai oublié de faire quelque chose, on va le castrer aussi. Non, je déconne, je suis pas sadique à ce point-là non plus quand même. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va regarder qu'est-ce qu'il nous faut pour faire les bolas. Pour faire les bolas, il va nous falloir... Du branchage des fibres de la peau et de la pierre, branchage fibre peau et pierre, branchage fibre peau et pierre. Bon, je devrais me rappeler. Branchage fibre peau et pierre. Voilà, alors là j'aimerais bien c'est crafter à peu près 10 bolas. Ce serait vraiment l'idéal, on va essayer, on va voir. Ah bah les gars c'est parfait, 10 boulasses, voilà. On va faire une gourde aussi. Voilà, deux petites gourdes, tranquille. Ce qu'on va faire c'est que le scorpion, si vous ne savez pas, il mange exclusivement de la viande périmée. Donc pour accélérer le processus, on va diviser la viande en 10. Pour qu'en 2 minutes toute la viande elle soit pourrie. Voilà. C'est parfait. Ce que je voulais faire aussi, c'était une lance. Alors, je vais voir ce qu'il me faut pour faire une lance. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire une lance? Il me faut 8 bois, 12 fibres et 2 silex. Donc, il me faut que je rajoute du bois et des silex. Alors, du bois et du silex. Et on va... Putain, ça sonne chaud. Et on va faire une lance, voilà. On va attendre que ça se craft. En attendant, on va ranger les matériaux qui nous restent. Faudra que je retombe fermé à la fin de l'épisode. La pierre, on va garder pour le lance-pierre quand même, sinon c'est pas logique. Le mur, on dégage. Le bois, pareil. Le silex, c'est la même chose, voilà, c'est bien. On va juste un peu ordonner un peu plus la barre de l'inventaire. Pour que ça soit plus facile pour moi. On va mettre, putain j'arrive même plus. Voilà, on va mettre un lance-pierre là. On va mettre le deuxième ici. Les bolas après. La hache, on va la ranger, on va la remettre là. Attendez, on va juste manger les bêtes. Tac. Pas de gâchis quand même. On va remettre la hache. Voilà. Si j'y arrive, c'est quand même pas sûr. Tiens, ouais. Pourquoi j'arrive pas à prendre la hache, les gars? Bon, c'était un bug. Non, je veux pas du mur, putain. Hein. Qu'est-ce qui me touche le mur, lui? On va mettre la lance et les gourdes. Voilà. Il manque un truc là, non? Bah là, je sais ce qu'elle fout là, putain. Voilà, et là les gars, on est prêt pour aller tamer un scorpion. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boire et remplir les gourdes quand même. Faire gaffe. C'est parfait. C'est vraiment ballot de mourir de soif comme ça quand même. Voilà. Alors ça, j'avais pensé à le tamer aussi, mais il faut que je me renseigne parce qu'en fait quand on essaye de le tamer, et ben en fait il se met en boule et après on ne fait plus rien.
Donc peut-être dans un prochain épisode, on tamera ce dinosaure-là. Qui s'appelle... Attendez, je vais quand même regarder son nom. Ok, il est vénère. On va pas le chercher. Passons-moi de l'eau. Bon, alors les scorpions, ils sont là-bas, les scorpions. Donc, si on trouve un son chemin, ça sera encore mieux. On va les prendre par surprise en hauteur. Je vais faire gaffe parce qu'il y a un pulvio, je crois, qui est vénère là-bas. Il bouffe tous les dinosaures. Et j'ai pas de me faire bouffer avec les dinosaures. Attendez, on va attendre que ça se... Voilà, mon énergie, elle est remontée, c'est parfait. Ah! Oh, les gars, c'est nickel! Oh là là là, il est sur le chemin. J'ai même pas besoin d'aller... Je vais faire gaffe au pulvio, putain, les gars, je vous dis. Il est juste là-bas. C'est un miracle qu'il m'a pas vu. Alors, le scorpion, je l'ai vu, il est là. Il s'est tiré... Ah non, il est juste là. On va essayer de le troll. Un coup et je suis mort, les gars. Un coup et je suis mort. On va l'amener le plus près possible de ma base. Voilà quoi. Un coup et je suis mort. Je suis fatigué. Il me suit plus. Putain, il est vachement con. Il est con sa mère. Allez, suis-moi. Attends, je vais pas aller trop vite parce que j'ai l'impression que je vais le semer. Ok, il suit. Je vais l'exploser devant ma maison. Ou du moins là-bas parce que là, là c'est parfait. Je vais le tuer ici, je vais le laisser m'approcher tranquille. Ok, il est en retard. Il est hors ça. Bon allez, tu te mets... Oh mais il est vachement con ce putain de scorpion. Il me troll. Ok, on va le mettre là. Parfait. Alors, on va compter les coups les gars. Attends, on va reculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, tu te casses où, toi? Ok, putain, c'est mort, il a failli m'échapper. Putain, à 14 ou 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32. Oh là là les gars, on l'a eu. 32 les gars, regardez, on l'a eu, on l'a battu, on l'a endormi. Oh là là, les scorpions. Alors, ce qui est pour la vitesse d'apprivoisement, je l'ai maxé au plus. Voilà. Parce que... attendez, je vais baisser un peu le son. Ah, c'est bon. Du coup, on va pas attendre. On va juste attendre qu'il mange sa viande et puis il sera tamé. Parce que j'imagine que pour vous, c'est pas vraiment intéressant d'attendre 20 minutes pour voir le dinosaure dormir. Bon, c'est pas intéressant pour vous, je pense. Putain, le pulgeot, il me fait tellement peur. J'ai peur qu'il surgisse de n'importe où. Bon alors. Putain, 32 coups quand même, les gars, c'est quand même chaud. Faire gaffe à sa barre. Attends, je vais la rebaisser. Voilà, elle est remontée. Ok, c'est parfait, les gars. Alors, le nom, je vous laisserai le choisir dans les commentaires. Donc, si vous avez un nom à proposer, mettez-les dans le commentaire. Voilà. On choisira un nom. Je vais choisir un nom plutôt. Est-ce qu'il me suit déjà? Ok, c'est nickel. Alors, on va l'amener à la base. Ouais, on va l'amener à la base. Moi, les gars, j'aimerais bien essayer.
sur le truc qu'on a vu tout à l'heure là. Je voulais tamer un fight entre lui et l'autre. Ça, j'arrive pas à me rappeler son nom. Est-ce qu'il est encore là déjà? Un petit fight. Avant de se quitter, ce serait bien un petit fight quand même. Tiens, il est là. Regardez, il est juste là, les gars. On va le mettre en agressif. Attendez. Tac, on va le mettre en agressif. Et regardez le combat de fou. Allez! Il va l'endormir! S'il l'endort, c'est encore mieux. Regardez, les gars, regardez la précision. La précision, regardez le skill. Regardez! Oh, il l'a eu. Oh, il l'a endormi ou il est mort? Attends, on va essayer de le faire. Attends, toi tu te mets en... non. Putain. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais il est vachement con. Vous avez vu, les gars, il a défoncé le dinosaure. Attends, est-ce que si je lui tire pas mal de coups de lance-pierre, est-ce qu'il va... Qui va s'endormir? Okay. On va le tirer en dos. Ça sert à rien ce que je fais, mais imaginez ça marche. Bombardé de tous les côtés. Comment le tame après, est-ce que c'est moi, est-ce qu'il faut continuer à le tirer dessus, je sais pas, ou est-ce qu'il y a une autre méthode. Bon, on va amener le scorpion en haut, on va boire en même temps. Tac. Bon, je répare mes lance-pierres. Il me suit normalement, me suivre. On va le mettre en haut devant la maison. Allez, suis-moi. Ok, on va... Ouais, c'est parfait, là, il est bien. Il surveille la maison. On va mettre pas bouger tous. Parfait. Bon, bah, les gars, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça m'encourage vraiment. Plus j'ai de pouces bleus, bah, plus je ferai de vidéos, sûrement. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. C'était Alex Multigaming. Je vous dis ciao, ciao.